Bienvenue à cette première capsule de 4 sur les outils de sélection. Aujourd'hui, il sera question du premier groupe d'outils de sélection, c'est-à-dire l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse de sélection, l'outil rectangle de sélection, une rangée et une colonne. Quand on fait des modifications sur une image, que ça soit euh, changer la couleur des pixels de notre image ou grossir des éléments, rapetir des éléments, on peut demander à Photoshop de limiter ces transformations à certains pixels. Et pour ça, on va devoir faire des sélections. Et les outils de sélection proposés dans Photoshop vont nous permettre de euh, remplir des besoins dans plusieurs situations différentes. Donc, on va commencer avec l'outil Rectangle de sélection. Cet outil-là va nous permettre de euh, prendre une sélection. Par exemple, je peux euh, partir d'un coin, d'un élément de mon image. Euh, ça peut être n'importe où. Je pars d'un coin et puis je vais cliquer et glisser ma souris pour avoir une sélection ici qui s'ajuste en fonction de la hauteur et de la largeur euh, que je souhaite donner à ma sélection. Comme ça. Donc, plus je descends ma souris vers le bas, plus ma sélection est, est haute. Euh, et plus je vais vers la droite, plus ma sélection va être large. Et puis, il euh, faut comprendre que le, le point d'ancrage de ma sélection, donc le moment où je vais cliquer euh, avec mon outil, le, le clic initial, va être le début de ma sélection. Donc, je peux partir et aller vers le bas et la, la droite, ou je peux aller vers la gauche, comme ça, vers le haut, etc. Donc, j'ai le choix d'aller dans la direction que je souhaite. Donc, une fois qu'une sélection est faite, je vais en faire une, par exemple, celle-ci, on peut appliquer des effets à notre sélection. Par exemple, je peux euh, utiliser mon pinceau et commencer à peindre. Il euh, n'y a rien qui se passe, mais dès que j'arrive à l'intérieur de ma sélection, euh, Photoshop accepte le fait que je sois en train de peindre. Donc, ça, ici, c'est euh, vraiment la preuve que euh, les sélections peuvent être très utiles pour euh, soit protéger certaines parties d'image, ou pour limiter les effets. À certaines zones. Il y a plusieurs manières qu'on peut manipuler la, la sélection qu'on qu est en train de faire. Par exemple, si je prends mon outil de, de, de sélection et je crée une nouvelle sélection et puis je garde mon doigt enfoncé sur Alt, ce qui va se passer, c'est que ma sélection, au lieu de partir du coin et de descendre à l'autre coin, dès que je vais mettre mon doigt sur Alt, c'est euh, dans le fond le clic initial sera euh, déterminé le centre de ma sélection. Donc, des fois, on a, par exemple, on connaît le centre euh, de l'endroit d'où on, on veut faire notre sélection, mais on ne connaît pas les autres paramètres. Donc, des fois, c'est plus facile de faire une sélection à partir du centre. Donc, pour faire cet effet-là, je dois cliquer sur euh, le bouton Alt et maintenir enfoncé. Une fois que la sélection est faite, euh, remarquez que mon curseur, lorsqu'il est à l'intérieur de la sélection, euh, il change. Et ça, ça m'indique que je suis en mesure de déplacer. Ma sélection. Comme ça. Une autre chose qu'on peut faire, c'est si on veut désélectionner un élément de notre image. Par exemple, ici j'ai ma sélection qui est faite en carré. Euh, je peux simplement cliquer, lorsque je suis avec un outil sélection, cliquer un coup à côté de ma sélection, et ça va faire désélectionner mon euh, ma sélection. Une autre chose que je peux faire aussi, c'est d'aller dans le menu en haut. Sélection, désélectionner. Donc ça va avoir le même effet ou je peux faire Pomme D ou Ctrl D si vous êtes sous Windows. Voilà. Si vous voulez garder les proportions lorsque vous faites une sélection, vous, de, vous pouvez garder votre doigt enfoncé sur Shift. Donc si je fais une sélection et puis que mon doigt est enfoncé sur, euh, sur Shift, Photoshop ne me laissera pas faire autre chose qu'un carré. Donc il va me demander de respecter, il va m'obliger en fait de respecter les proportions euh, de 1 pour 1. Je vous invite à regarder la partie du haut, donc la barre de sélection, ici la barre d'outils. Si je m'approche, euh, on peut voir ici qu'il y a un style. Et puis ça, c'est le style de sélection. Donc pour l'instant, je suis à normal. Ça veut dire que je fais un clic initial et puis après ça, je, je glisse pour pouvoir faire ma sélection. Par contre, je pourrais demander de garder des proportions fixes. Par exemple, je pourrais avoir un ratio de 2 de largeur pour 1 de hauteur. Donc, Dès que je vais faire ma sélection, Photoshop ne me laissera pas faire autre chose qu'un qu rectangle de sélection qui est deux fois plus long que haut. Je peux inverser ces données-là en cliquant sur le bouton ici qui vont inverser les deux données. Donc, ça va être 1 de hauteur, 2 de largeur. Donc, ici, mon rectangle, ça va être sur le haut, comme ça. Euh, et puis, je peux changer les valeurs, évidemment. Donc, si je veux faire un carré, par exemple, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre un ratio 1 pour 1. Donc, là, la largeur va être égale à la hauteur. Et puis, Photoshop ne me, me laissera pas faire autre chose qu'un carré. Donc, c'est une alternative à garder son doigt sur Shift. Euh, on peut mettre n'importe quelle valeur. On peut même mettre euh, des décimales. Par exemple. Donc, ça nous permet d'aller chercher des proportions fixes. Il y a aussi l'autre option qui est taille fixe. Donc à ce moment-là, on peut aller définir Photoshop exactement la largeur et la hauteur de la sélection qu'on veut faire. Donc dans ce cas-ci, je veux absolument faire une sélection de 3 pouces de large par 4,5 pouces de haut. Donc, quand le style est à euh, taille fixe, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est cliquer un coup et ma sélection va apparaître, puisqu'il n'y a aucune autre option possible pour Photoshop. Donc il va me faire absolument un. Euh, une sélection de largeur de 3 pouces et une hauteur de, de, de 4,5. Euh, donc, je ne peux pas, même pas euh, cliquer et glisser pour faire une sélection manuellement. Donc, que je ne me laisse pas faire autre chose que ça. Des fois, quand on connaît les dimensions de, des éléments qu'on veut sélectionner, ça peut être très utile et ça peut sauver beaucoup de temps de faire ça comme ça. Évidemment, chacune de ces données-là, on peut les changer. Donc, on peut... Euh, Cliquer, glisser. On peut même rentrer les données à la main. Je pourrais dire par exemple 1 pouce par 4,5. Euh, aussi, ce qu'on peut faire, c'est changer l'unité de mesure. Je pourrais mettre par exemple des centimètres au lieu des pouces. Ou bien je pourrais même mettre des pixels. À ce moment-là, ma sélection va être très très petite. Par exemple, je vais mettre 400 par. Euh, par 10 pixels. T'sais. Voilà. Ça fait, dans ce cas-ci, ça fait une toute petite sélection que je peux déplacer. Donc, j'ai exactement 400 pixels de haut par 10 pixels de large sélectionné. Donc, on peut voir les autres outils. Là. Il y a l'outil ellipse de sélection. Donc, celui-ci me permet de faire des. Euh, de faire des ronds et des ovales. Euh, si je garde mon doigt sur Shift, évidemment. Vous l'aurez deviné, ça me permet de faire un cercle parfait. Sinon, euh, je fais mon clic initial et puis la hauteur et la largeur de mon déplacement vont déterminer la, la, le rayon en hauteur et le rayon en largeur de mon, de mon ellipse. Euh, si je garde mon doigt sur Alt, je vais créer un cercle à partir de son centre. Un cercle ou un ovale à partir du centre. Ça peut être utile. Donc, c'est la même chose qu'avec le carré de le rectangle de sélection, c'est-à-dire? Euh, dans, les mêmes, euh, dans le même ordre d'idées, on peut utiliser des proportions fixes et les tailles fixes pour euh, faire la sélection avec l'ellipse le, de sélection. Finalement, on a les outils de sélection rectangle de sélection une rangée et une colonne. En gros, c'est des outils qui, euh, qui fonctionnent de la même manière. Quand on clique, ça prend exactement une, soit une rangée de pixels euh, selon, euh, sur toute la largeur de notre document, ou bien une rangée sur la hauteur. Donc, c'est une colonne, en fait, de, de pixels. Donc, voilà, c'est ce qui met fin au, euh, à la première capsule sur les outils de sélection.